become way. Salanga become one, Zamba do easy. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, Tosto Lamouki, dossier de l'Oise à la tribunal, pour vous montrer que nous avons été en Ambetu, dans Lala. Le son est bon, Namat sa volume, le son est bon. Le son est bon. Namat sa volume, le son est bon. Excusez-moi, monsieur le député. C'est pas que je ne comprends pas pour votre apparence. Le son est bon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, la première des choses, je suis journaliste reporter d'image, Denise Dussochois Mukendi, journaliste reporter d'image, journaliste d'investigation. Ça, c'est mon domaine, le travail que je fais. Aujourd'hui, on a des choses à se dire sur ce procès qui se trouve au niveau du tribunal, du parquet de grande instance de la Gombe. Il y a des informations que je vais vous donner, même si je suis très proche d'Eliane, parce qu'Eliane, je la considère comme une de mes filles, je suis maman d'abord. Voilà les rebondissements du procès aujourd'hui. On vous dit souvent, pour mentir là, il faut être intelligent. Pour bien mentir dans la vie, il faut être intelligent. Donnez-moi mes cœurs pour l'opé, c'est bien le bilan au Morolelo et quoi dire pour tout Moïse Mbien dans le dossier. Pour bien mentir dans la vie, il faut être intelligent. Mademoiselle Eliane Bafeno, dans sa déclaration au niveau du parquet de grande instance, a déclaré qu'elle est née le 4 juin 1999. Nous partons avec vous. Le 14 juin 1999. Eliane Bafeno, je t'ai toujours dit, sois clair avec tes avocats. C'est eux seuls qui peuvent te sortir de la merde. Mais quand tu ne sais pas dire la vérité à tes avocats, les avocats sont là pour aider, même si tu as tué quelqu'un. Tu dis à ton avocat, je l'ai tué, voilà, c'est des circonstances. L'avocat va chercher comment masquer cette merde-là. Tu devais avoir 100 ans, on peut te donner même 3 ans, tu sors. Eliane Bafeno est née le 4 juin 1999. Elle a déclaré qu'elle a commencé à sortir avec Christian. Elle était mineure, elle avait 17 ans. Le juge, félicitations à la justice congolaise. J'aime le Congo. Quand on pense que les magistrats sont corrompus, et les magistrats, c'est seulement pour l'argent, c'est faux, je vous dis. Et aujourd'hui, avec l'état de droit, ça ne blague pas. Rebondissement sur l'affaire Eliane. Eliane a dit qu'elle est née le 4 juin selon son certificat de naissance, selon l'attestation de naissance faite sur base d'un jugement supplétif fait qu'il y a sorti un certificat de non-appel de 2016. Nous ne parlons pas du certificat de naissance qu'elle est née avec, non. Nous parlons d'un jugement supplétif qui a eu, il y a eu un certificat de non-appel et puis il y a eu l'attestation de naissance. Ce qui est différent à un certificat de naissance. Un certificat de naissance, on l'a directement dans le temps du jour quand vous êtes né, votre père est en Afrique, hein, au Congo, votre maman ou vos parents vont à la commune et récupèrent. Pour nous en Europe, en Belgique où je vis, dès que vous accouchez, l'état civil vient dans votre chambre. On enregistre l'enfant, tout et tout. Donc, t'es automatique déjà à l'hôpital. Mais au Congo, il faut partir. Donc, beaucoup de parents n'ont pas l'habitude d'y aller. C'est comme ça que vous voyez, quand quelqu'un commence à chercher un jugement supplétif, ça veut dire que, ici, les gens, quand ils commencent à chercher un passeport, c'est pour voyager. Donc, les gens n'ont pas de passeport, la maison est obligée de faire. Non. Bref, c'est un peu ça. Eliane a dit dans son procès, c'est elle-même qui s'est actée devant le juge, qu'elle est née le 4 juin 1999.
qu'elle a rencontré Christian, elle était mineure. Mais voilà là où il y a le couac. Eliane avait, et Christian ont été d'accord sur un fait. Ils se sont rencontrés à un deuil. Sur l'avenue Boyata. Ils se sont rencontrés à un deuil sur l'avenue Boyata. Christian dit qu'Eliane était déjà majeure. Eliane dit qu'elle était mineure. Pour départager les faits, le magistrat a envoyé des inspecteurs. On dit chez nous des détectives. Non, aujourd'hui je n'irai pas au tribunal parce que je suis fâchée. Parce qu'Eliane cache beaucoup de choses. Je n'irai pas au tribunal. Moi je ne suis pas là pour faire le buzz. Moi je suis là pour aider. Alors, le magistrat envoie les gens à Boyata. Christian Olongo, comme il est bien armé, bien ficelé, il est parti pour défendre son pasteur jusqu'à la fin. Vous-même, vous avez vu, même pendant le culte, le pasteur a dit, il a présenté Christian comme son fils. Mandebo comprend un acte qui chasse ça. Alors que Naoto Spanazo Bima, Naoto Nemusala. Alors, Christian a les certificats de décès de cette personne-là, décédée en 1901, et pardon, en 2017. Calculé août 2017. Calculé 99 à 2007. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 2017. Donc, Eliane avait déjà ses 18 ans le 4 juin 2017. Ils se sont rencontrés avec Christian Olongo en août 2017. Donc, le 5 juin 2017, Eliane était déjà majeure. Non, non. J'ai dit ça à Eliane hier. Je suis d'abord journaliste d'investigation. Je suis d'abord journaliste d'investigation. N'amdo foutanga azati. Bon, qui n'a bien. J'ai une très belle vie. Alors, quand Eliane a atteint, selon ses documents qu'elle a présentés devant le juge, parce que maintenant, le juge à qui on a donné, le magistrat à qui on a donné ce dossier, a dû repartir avec le dossier depuis le départ. Même s'il a été soudoyé, même s'il a été payé, mais Azo Salamoussa n'a pas été juge. Ça veut dire qu'Eliane n'a pas dit la vérité à ses propres avocats et à moi-même, l'Olivia Pop du Congo. Ce n'est pas pour rien. Donnez-moi mes cœurs sur la Tiki Makabo. Donnez-moi mes cœurs. Et partagez dans le groupe. Pour les Eliane n'a pas été claire avec ses avocats. Voilà qu'un petit détail du dossier vient d'arriver qui prouve que Eliane, quand ils se sont rencontrés avec Christian, Eliane avait 18 ans. Le petit détail, même les avocats ne l'ont pas encore. Je suis parti mener mes enquêtes à Boyata, là où Eliane et Christian se sont retrouvés. Le défunt est mort et décédé en août 2017. Voilà le petit détail. Maintenant, les juges de ce pays vont avoir compté. C'est pas parce que moi j'ai expliqué. Mais on va lui expliquer ça aujourd'hui par les juges. Parce que la confrontation ce matin à 9h. Je l'ai toujours dit, Eliane, il faut dire la vérité. Voilà que la vérité est venue par l'escalier. J'ai dit, ma fille, je veux bien t'aider parce que j'ai des enfants. Wambon au piano. Denise est dans ses affaires, banine, journalisme, comment pour n'en avoir pas passion n'en avoir continué. Bref. Donc, cela veut dire que la première théorie, que la première. Moïse Mbille ne me donnera rien, Nenazan. Que la première théorie, même moi, na Moïse Mbille, tu sur la tête pour la personne a été. D'ailleurs, ce soir, moi, je pars au Katanga.
Moïse Mbie, ça c'est le petit détail que je suis allé avoir la nuit vers 2h du matin dans la parcelle, parce que moi j'ai eu l'adresse hier vers 15h de Boyata. Je ne suis pas parti. Par contre, je suis allé là-bas vers 1h du matin, 2h. J'ai vu la famille. Moi, je n'entre pas dans tout ça. Moi, je viens vous donner les choses, comment ça se passe au niveau du tribunal. Moi, je n'entre pas dans la vie privée des gens. Eliane a sa vie privée. Moïse Mbie a sa vie privée. Ce qu'ils ont fait à deux, Bahomo Bahébi. Ce qu'ils ont commis dans ma boîte, on a bu ça parce que Bahéo Kanité. Et moi, au départ, je crois en l'histoire d'abord d'Eliane. Mais j'ai dit à Eliane, moi, je suis l'Olivia Pope du Congo. Je connais la vie de tout le monde. Tout comme les gens connaissent la petite vie que je mets sur Facebook. Ma vraie vie, personne ne la connaît. On m'a tout quitté. Moi, je sais contrôler, je contrôle l'image et le vidéo. Bref, voilà ce petit élément qui va abîmer le dossier d'Eliane Mafeno. Parce qu'elle n'a pas su dire la vérité à ses avocats. La personne, la défense, place Christian na Eliane Bakoutana na Boyata. Makamba Boyata, même Eliane ne m'a pas dit, même ses avocats ne me l'ont pas dit. Je suis allé Ngamoko en tant que journaliste d'investigation. J'y suis allé seul. Hier, j'ai entendu ça au tribunal. Je suis allé, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai posé des questions. Oh, Moutouana Zatiris, des cahiers, Bobé Yana, Bopé Sanga. Je suis rentré chez moi, c'est à minuit qu'on me dit, il vient d'arriver. Zui garde, na zui voiture, na quitte pas Moutouana Boukette. Là où je vous parle, Christian Olongo a su avoir le certificat de décès de cet homme-là. Décédé. Ce qui prouve à suffisance, que la première théorie qu'Eliane nous a sortie, qu'elle était mineure en ce moment-là, est fausse. Viol sur mineur, c'est faux. Donc, elle a, le dossier viol sur mineur, et comment on appelle ça? Un viol sur mineur et tout parce qu'elle était mineure, est faux. On quitte maintenant à ce moment-là. Quelles sont les conséquences de ce petit détail qu'elle a omis à dire à ses avocats? Ça veut dire que le dossier est en train de tomber maintenant tout seul. Alors qu'il y a beaucoup de vérités qu'elle a dites, qu'elle a subies, qui sont vraies. Il y a beaucoup de vérités dans ce qu'elle a dit. Mais le petit détail, ma carte est comme Kokoya. Je vais vous dire pourquoi Jérémy et Clay Kabamba sont dehors. Ce sont les petits détails. Comme vous voyez chez nous en Europe, tu vois un violeur, il entre en prison. Il y a un petit détail, le juge décide de sortir. Pourquoi? Parce que le petit détail, non, on a arraché les aveux par contrainte. Monsieur l'inspecteur, vous avez arraché les aveux? Oui.